sa journée dans Montreux. Ouais. Donc, on voulait savoir à peu près la... Montreux, c'est un peu pourri, hein. Au niveau de la Suisse, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une ville très intéressante. Et donc, qu'est-ce que vous me conseillerez un peu plus Lausanne, c'est pas terrible. Vous allez où après? Après ça, on monte vers Berne. Berne. Non, il y a une belle place. Non, c'est pas... Vous allez faire d'autres pays? Ça va vers l'Italie. Italie, allez, direct en Italie alors. Ah oui? Ah bah je perdrai pas trop mon temps ici parce que... À part le lac, mais une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. Le reste... Et puis les Suisses sont un peu... Donc vous êtes pas Suisse? Non. Je vous conseillerais pas de zoner ici sur Montreux, quoi. Bon, ok. C'est complètement surfait, c'est tout des vieux pleins de pognon avec des moumoutes ici. Hein. Par contre, en Italie, vous allez bien manger, avoir du bon vin, avoir des magnifiques petits villages, de très belles villes. Ok. Je vous remercie. Voilà, merci. Vous en prie. On va la garder quand même. Bon séjour en Italie. Merci. Je viens prendre une petite journée, voilà. Sinon encore. Oui. C'est possible de la prendre. Mignon, comment il s'appelle? Jacker. Mon petit ami en a un. Mais ils sont chauds, mais ils aboient tout le temps. Ils aboient tout le temps. Il a des canines. Allez, viens, n'aie pas peur. Il a un peu peur des hommes. Je suis homosexuel, de toute façon. Donc... Oui, mais même, si vous êtes quand même un homme. Oui, enfin, dans le couple, je fais la femme, donc... Oui, je sais bien. Et alors? Tu dis bonjour à Michel? Il sent pas mon côté féminin? Je sais pas. Et alors? N'aie pas peur. Je suis homosexuel. Je suis homosexuel, moi. J'ai fait mon coming out il y a 4 ans. Ah bah vous avez attendu longtemps, hein. Oui. Trop mignon. Il m'aime bien, hein. Je suis homosexuel. Genre... Alors, oui, je vais rien. Vous êtes là pour combien de temps? Une huitaine de jours. Et vous logez à l'hôtel? Non, non. Vous avez une maison ici? Un appartement, quoi? Mais non, ça va. Vous êtes mariés ensemble? Ah bah oui. Les enfants? Bien sûr. Vous avez encore une vie sexuelle très active ou... Vous me donnez votre papier, ouais, s'il vous plaît. Madame? Je demande à votre mari si vous avez encore une vie sexuelle très active. Écoutez, on va... Bon, ça suffit, monsieur. Bon, là, je... Qui ne demande rien n'a rien, hein. Je suis toujours impressionné des couples qui ont une si longue longévité. Rassurez-vous, tout va très bien. Prenez toujours votre pied, quoi. Je demande, hein, si vous voulez pas répondre, vous pouvez pas répondre. Hein. Je n'ai pas spécialement envie non plus de rentrer dans... Déballer, non, 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 je comprends, ouais. Vous n'avez pas l'intérêt, ouais. J'ai une question par rapport à... J'ai besoin de faire des photocopies à partir d'un clé USB. Et je sais qu'il vient pour une villa où, mais elle est fermée. Est-ce qu'il y a une autre endroit où je pourrais le faire à partir d'une clé? Ben alors, viens te chez moi, si vous voulez. Ouais, mais vous êtes... C'est votre travail. Moi, je suis au point... Je termine à 16h. J'ai une grosse photocopieuse. Faites tout ce que vous voulez. Ah, vous êtes en bas de la... Pire des cas. Et à Vivet, il n'y a pas... Ça, pas pour le pire des cas, mais... D'accord, ok. Non, mais dans le sens où j'aimerais le faire rapidement, parce que... Mais c'est dans une heure, quoi. Moi, je peux essayer de m'arranger pour que vous m'appartiez plus tôt. Non, mais non, c'est pas... Demain, après ça, on peut se prendre un petit café sur ma terrasse. J'ai un petit balcon qui donne sur le lac. Oui, d'accord. Je demanderai au patron si je peux partir maintenant. Oui, Dominique, c'est Jean. Je voulais savoir si aujourd'hui je pouvais finir une heure plus tôt. Et je serais venu une heure plus tôt demain pour récupérer. C'est parce que j'ai ma petite amie qui est revenue plus tôt que prévu et on avait envie de rentrer chez moi pour être cool, quoi. C'est vraiment super important pour moi, pour mon équilibre personnel. Oh, je te jure, elle a envie aussi de... Ouais. Je te demande jamais de service, ça c'est vraiment important pour moi. Non, non, non. Dominique, tu sais que je suis corvéable, merci. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Y a pas de problème. Ah ben alors, mais j'arrête de travailler, puis c'est terminé, je trouverai un autre boulot. Mais non, arrêtez. Non, je ne te demande jamais rien, jamais, jamais, jamais je te demande quelque chose. J'étais pas heureux à ce travail, de toute façon. Je n'aurais jamais trouvé mon équilibre ici. T'es vraiment une poufiasse, hein. Arrêtez.
Je te demande une fois un service, t'es vraiment une grosse conne. Je vais pas venir avec vous. Écoutez-moi. C'est de l'abus de pouvoir. Écoutez-moi. C'est de l'abus de pouvoir. Je te crache à la gueule. Écoutez, Jean, je viens pas avec vous. Non, de toute façon, je me barre maintenant, je prends ma boîte à tartines et je suis parti. Je pars avec ma copine. Écoutez. T'as qu'à crever la gueule ouverte. Voilà, je t'emmerde au passage. Je te chie à l'arrêt, Dominique. Mais tu viens pas avec moi. Une seconde, Dominique. Je ne viens pas avec vous. Mais maman, je... Non. Je suis viré, hein, de toute façon. Oui, mais je vous ai dit de pas le faire. Pourquoi vous lui parlez comme ça? C'est dingue, ça, quand même. Excusez-vous, perdez pas votre travail. Je me débrouille. De toute façon, je ne vais pas avec vous. Qu'elle vous garde ou qu'elle vous garde pas, je ne viens pas avec vous. Non. Non. Dominique, je m'excuse pour ce que j'ai dit. Dites-lui que je reste pas avec vous. Il y a ma copine C'est bon, je viens pas. Gardez votre travail. Voilà, ben voilà, je te remercie, c'est fini avec ma copine maintenant. Voilà, ben je vais continuer tout seul. Je te remercie en tout cas. Oh, je pars avec vous. Non. Bah oui, j'ai plus de boulot. Salut, hein, merci en tout cas. Et dans quel secteur? Je suis conducteur de car de tourisme à Genève. Ah, bien. Elles arrivent à enlever des touristes de temps en temps? C'est rare. Non, difficile. Ouais, difficile. Moi aussi, j'ai énormément de mal ici. Moi, je suis à Montreux depuis 2 ans. Ouais. Sans payer, je n'ai encore rien levé. Ouais. Non, c'est vrai, hein, c'est... Je me prends des cales. Ma mère, il y a mec et femme, tout confondu. Non, c'est vrai que c'est très... C'est basé sur un truc farouche, très... Très farouche. Non, c'est vrai, hein. Je suis, c'est très farouche. Je sais pas, c'est toujours peur, on sait jamais. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Exactement. C'est curieux, hein. Alors que nous, on veut juste tremper notre pinceau, quoi. Oui, mais vous êtes... C'est incroyable. Oui, je vous écoute. Une brochure de partout. Une brochure de partout? De partout. OK. Monsieur, c'est la même chose pour la brochure de partout? Together. Vous êtes tous les deux pour la brochure de partout? Oui, together. Brochure de partout. OK. Bon, donc, ce qui va se passer, c'est que vous arrivez. Une hygiène impeccable. Pas avoir picolé avant. Le respect. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Si quelqu'un a dit non, il ne faut pas y aller quand même. Hein. Mm-hmm. C'est valable pour tous les deux. D'accord? Mm-hmm. Vous avez envie de prendre des photos? Mm-hmm. OK. J'étais sûr qu'il allait prendre des photos. Un gros porc, hein, évidemment. D'abord, demandez avant si vous pouvez prendre des photos. D'accord? OK. Toujours, hein? Ah, ouais, OK. Au moment où la partouze commence, vous commencez à vous dessaper. Mm-hmm. Monsieur prendra probablement des photos une fois que les gonzesses seront à poil. Okay. Vous êtes d'accord, apparemment. Okay. Monsieur, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est y aller mollo parce que vous n'allez pas tenir longtemps, sinon. D'accord? Okay. Ah, si vous essayez de vous en faire deux en même temps, c'est du top. Hein. Okay. Ah, okay. Toujours bien. Ils vous le diront, toujours vous protéger. Ça va? Uh-huh. Avant toute pénétration, capote. Okay. Ça va? Yeah. Okay. Donc, moi, j'ai envie de vous encourager. Prenez votre pied, régalez-vous. Uh-huh. Monsieur, ça risque de pas être triste. Hein. C'est la plus grosse croisière de fist fucking qui existe sur le lac. Oui. Allez, thank you very much. Merci. A good time. Thank you. Bye bye. Thank you.